Vous avez présenté avant tout la métropole du Grand Paris 2. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce livre? Bon, le livre que vous voyez ici est ouvert pour ce film. Le premier pour le premier culture, il était bleu. Je pense qu'on puisse le discuter. Il représente exactement l'ensemble des projets de montagne de métropole numéro 2 sur les 23 villes où il se situe, avec les propos et les situations sont pour le numéro 1. Les deux conflits inventés à la métropole 1 et 2 représentent globalisés 742 sites que j'ai déposés pour 54 villes et 57 sites, c'est-à-dire sites en certaines villes. C'est un peu grand. C'est le plus grand concours d'Europe pour l'architecture et l'urbanisme. Et très sincèrement, quand je l'ai fait, je n'aurais jamais imaginé que c'est un plus grand succès, notamment au sein de l'Europe. Je l'ai dit tout à l'heure, dans mon discours de présentation, je ne pensais pas qu'on lance le numéro 2. Parce que j'ai réuni les investisseurs en disant que j'avais investi près de 8 milliards d'euros, enfin, d'autres argent, j'avais pris des risques. Est-ce que vous êtes capable de faire autant la prochaine fois? Et ben, au départ, ce n'était pas brillant. Et puis, deux mois après, on s'est revu, j'ai dit banquier en effet. Et là, quand je me sentais reçu, j'ai été ému, parce que j'ai fait confiance. Quand ça fait 80, j'ai l'impression que c'est comporté en France. Hein. Et en Europe, bien sûr. Et ça, c'est le résultat donc, de ce deuxième concours, qui représente un coût près de 11 milliards d'euros financés par le privé dans les deux concours, qui représente plus de 15 000 logements qui vont être construits, plus près de 4 000 logements sociaux, qui représente en gros 80 000 emplois pendant toute la durée de construction, des emplois qui vont être créés. Là, on commence à déposer les premiers tiers. Là, on vient de signer un premier permis de construire. Le numéro 2, c'est le site du Lys à Gennevilliers. J'ai déposé plusieurs premières pierres, notamment à Corsic et à Saint. Au passage, c'est un projet qui nous aide à régler le problème du centre scientifique olympique que l'on construit sur la plaine Seigneur à Saint-Denis, parce qu'il fallait que le TGM, qui est le centre d'études de Gennevilliers, déménage. C'est pas facile. On a réussi à aider l'opération, ils vont justement à Saint-Cortis pour le projet pour lequel j'ai posé la première fois il y a quelques mois. Donc là, il y a des implications dans cette enquête qui sont en fait ce phénomène, et en même temps, le collège de foi a vaincu pour participer sur l'intelligence numérique notamment, et pour tout ce qui concerne le développement durable, mais surtout la lutte contre les pollutions, l'environnement et les circulations publiques. Donc on a essayé de presser. Dans les deux concours, sur l'ensemble des sites, des startups qui tournent autour des grands aménageurs et qui ne savent pas comment s'intégrer. Alors, on a organisé des meet-ups, c'est-à-dire des grandes rencontres, où ils vont tous venir rencontrer des aménageurs. Et c'est un aménageur stratégique aussi pour les deux concours. Et j'ai aussi essayé de voir que les aménageurs étaient tous là et les startups aussi. Ça fait plus de 300 startups qui sont venus. Les aménageurs, ils vivent ce qui fait qu'on intéresse à les aînés. Donc, ils suscitent un accord pour qu'ils puissent intégrer les projets et développer leur entreprise. Ils deviennent, elles deviennent maintenant, l'entreprise de territoire. Et c'est horrible, n'est-ce pas? C'est grand potentiel. Et en même temps, ces startups ont amené une intelligence par des idées nouvelles qui sont faites exceptionnelles. Et les aménageurs l'ont bien compris et les récupèrent à leur bénéfice. Il y a eu avant la métropole 1 et avant la métropole 2, et qu'il va y avoir la troisième édition. Je voulais que vous disiez des choses que je vous ai commencé à dire tout à l'heure. La réponse, elle est oui, il y aura. Parce qu'il y a encore un besoin d'investissement. Les investisseurs vous disent que vous voulez lancer le numéro 3. Un, il y a les élections municipales, je ne sais pas si vous le savez. Deux, ensuite, il y a les élections de la métropole, je ne sais pas si vous le savez. Ce qui est certain, c'est que pour l'avenir, j'ai l'intention. J'ai lancé une troisième initiative, permettez-moi de ne pas vous dire de quelle forme uniquement en même temps, qui offrira une nouvelle forme de concours d'urbanisme et d'architecture, qui sera démarrée et être lancée, je pense, en mi-2020, pour démarrer ensuite dans la foulée pour 2021. Bonjour, vous venez de déposer le permis de construire pour le projet Talent Maker Lab à Gennevilliers. Est-ce que vous pourriez nous présenter le projet et en rentrant la métropole, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Alors, effectivement, Talent Maker Lab est un projet très innovant que nous allons présenter dans le cadre de la métropole du concours de la métropole du Grand Paris 1.
Je rappelle que ce concours était exceptionnel par son amplitude, mais également par la masse de talents qui s'est présenté dans ce concours. Et nous réalisons à Gennevilliers, c'est une ville que nous connaissons bien, ce projet très original qui mixe éducation, habitation, commerce, culture, lieu de vie, dans un quartier qui avait été quand même un petit peu martyrisé, parce que c'était le quartier du Luc, dans lequel il y avait ces grandes tours de la HLM qui ont été détruites dans le cadre de la politique de la ville. Et nous sommes très heureux à la fois de réaliser un beau projet, très écologique, très beau architecturalement, mais également un projet qui va, je l'espère, donner ce petit bout d'histoire du quartier, parce que les gens ils vivent et ils travaillent bien. Pour en savoir plus, c'est d'une part le projet architectural et ensuite les espaces qui seront dédiés au commerce, au logement et autres. Alors, le projet en général global, c'est 31 500 m². Vous allez avoir 56 000 m² de commerce. Vous allez avoir 10 000 m² de d'école, d'école, de lieux d'incubation, etc. Vous allez avoir du logement pour étudiants, parce que c'est justement dans ce télévision, donc il faut que les gens habitent bien citoyens à côté d'une super station de l'armée de travail, il faut que les gens habitent à côté du lieu où ils apprennent le travail, en particulier les étudiants. Parce que les étudiants, on les amène dans un endroit, et ensuite on va vite débrouiller pour trouver quelque chose. Donc on va avoir une espèce d'offre globale, avec des cafés à côté, et avec une salle de spectacle qui s'appelle le Tamar Noir, que l'on va recréer dans une architecture très originale, qui est faite par deux cabinets d'architectes, Anthony Vlaga et Vincent Parigrand, qui sont nos grands partenaires avec lesquels nous avons fait l'appel à un jeu qui est vraiment un projet totalement exceptionnel et unique, Monsieur Tarly, architecte, jeune architecte également, grand talent. Donc voilà, on est dans une ville qu'on aime bien, dans un concours qu'on aime bien, et nous sommes accompagnés par Henri, nous sommes accompagnés par Xavier Niel, qui aura une participation minoritaire et qui va apporter son savoir-faire en termes de digital. Donc c'est vraiment un petit quartier, un quartier. Alors, on n'attendait pas forcément la compagnie Falcour au Luc à Gennevilliers, on n'attendait pas beaucoup forcément à Gennevilliers. Ce débat, c'est différent, donc vous savez, nous avons aujourd'hui, 230 ans après la Révolution française, le même mot qu'il y a 230 ans. Aujourd'hui, il faut de l'audace pour que notre pays reste un grand pays. Et donc nous adorons aller dans des quartiers qui, a priori, sont en difficulté, aller créer de la richesse, aller créer de la prospérité, aller créer du respect pour les gens qui nous vivent et leur apporter des infrastructures immobilières et des vies qui font que leur vie est meilleure et qui font que notre pays est un beau pays. Et donc, à Villiers, c'était une tour des années 60 que nous avons restructuré et donc nous avons démontré qu'au lieu de détruire, on peut parfaitement en faire un très bon lieu d'habitation du 21e siècle. Ici, nous créons une salle de Notre-Dame, à la Tourneuve, avec Babset, nous créons la fabrique de culture. À Mont-la-Jolie, nous avons créé un retail park qui s'appelle Mont-Beau-Bouffier, donc il n'a rien à voir. Donc nous adorons aller dans des endroits sur lesquels les grands promoteurs ne vont pas forcément, et tout d'un coup, on met ces endroits en lumière, et on apporte, je répète, de la qualité de vie aux habitants de notre pays.